vient d'arriver à Miami. On est à Wynwood. Il y a des œuvres d'art partout sur les murs. Fait que je vais vous montrer ça in a minute. On sait pas. On se laisse guider. Des beaux plans, ça. J'ai essayé de raconter l'histoire depuis qu'on est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé du 30 jusqu'au 1er, jusqu'au 2 aujourd'hui. Donc le 30, on est arrivé, on est allé jouer au golf, c'était incroyable. On est allé prendre des margaritas, des bières et des tacos dans un petit restaurant mexicain. J'avais vraiment envie de manger du mexicain. C'était authentique, c'était cute, j'ai adoré ça. On est allé rejoindre les amis Alexis qui étaient là en même temps que nous. Après ça, le 31 au matin, on n'avait pas vraiment grand chose de prévu pour le New Year. On s'est dit qu'on allait juste se promener à South Beach. Donc on a trouvé un restaurant pour aller manger du japonais, thaïlandais, je sais pas, des sushis. Japonais. Mais j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos, j'ai pas amené ma caméra pour le souper. Je l'ai vraiment célébré le New Year avec mon amoureux, toute seule, sans ma caméra. Ok, donc je remets en contexte. Ici, en Floride, c'est vraiment pas la même chose qu'au Québec. C'est des mesures complètement différentes au niveau du COVID. Les gens font pas vraiment attention, puis ils s'en foutent honnêtement un petit peu. C'est vraiment complètement une autre mentalité. Quand même 100 000 personnes qui ont la COVID en Floride en ce moment. Donc c'est comme, il y a pas mal de chances qu'on l'attrape, puis nous on l'a pas encore eu, donc on peut l'avoir. Donc, New Year, on a fini de souper, on se dit qu'est-ce qu'on fait. On avait une petite idée qu'il y avait des bars qui avaient sûrement des parcs. On cherchait comme une piscine où est-ce qu'on allait pouvoir prendre une coupe de drinks, on allait pouvoir relaxer. Mais on a fait le tour de plein d'hôtels et il n'y avait aucun hôtel qui avait exactement le vibe qu'on voulait. On a fait le tour de South Beach, on était à quoi, 5-6 resorts différents. Jusqu'à temps qu'on voit un gros crowd, un gros party plus loin, comme à 5 minutes de marche. Donc, je me suis fait des ampoules de la mort sur les pieds avec mes souliers à talons hauts pour finalement qu'on se rende à Fontainebleau, qui avait un gros party. C'était sincèrement le plus gros party que j'ai vu depuis 3 ans. Il y avait probablement 5000 personnes dans un crowd, toutes collées, sans masque. J'étais comme, je vais pas aller là, c'est sûr que non. Puis c'était Doja Cat qui faisait un spectacle, puis il y avait un écran dans le lobby de l'hôtel. Vous pouvez regarder, fait qu'on s'est juste installé avec un verre là, fait que j'ai vu un spectacle de Doja Cat en live. Il restait comme 8 minutes. Alexis dit, on fait pas le décompte dans le lobby, là, t'sais, c'était comme un corridor du lobby. Alors,
je dis, on retourne à l'hôtel, il y a une piscine à l'hôtel, on va faire le nouvel an à notre hôtel. Et là, je vois qu'il y a une plage. Puis là, j'oublie qu'il y avait des feux d'artifice sûrement le soir à Miami. Finalement, on arrive sur la plage, puis exactement 2 minutes plus tard, il y avait les plus beaux feux d'artifice. Il y en avait plein, il y en avait comme à tous les hôtels quasiment. C'était parfait, vraiment parfait. C'était vraiment une belle soirée, c'était de la bonne bouffe, une belle ambiance, puis un beau nouvel an. Le lendemain matin, on était quand même fatigués, fait qu'on a sleep in, puis on est allé déjeuner en bas de l'hôtel. Après ça, on est allé sur la plage, puis on voulait faire une journée comme grosse crêpe relax. En tout cas, moi, je voulais faire ça. Alexis voulait faire de quoi? Moi, j'étais comme non. Finalement, on arrive sur le bord de la plage, puis on n'avait pas de serviette parce que ça va à la location de la maison dans une semaine, mais on n'avait absolument rien pour aller à la plage. Fait qu'on est retourné à l'auto, puis là, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Finalement, le plus gros hack, puis je vous dis, là, je vais vous raconter l'histoire au complet, le plus gros hack de la vie, sans blague, si vous êtes en Floride, si vous venez à Miami, faut que vous écoutiez ce hack-là, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment impressionnant, Miami. Sans blague, le centre-ville, c'est vraiment beau. Pretty cool. C'est vraiment beau. C'est des gros buildings. Là, le plan, c'était de trouver une piscine sur un top, sur un rooftop. Donc là, Alexis fait quelques recherches. C'est pas jamais moi qui fais les recherches, c'est Alexis qui a fait les recherches. J'ai trouvé un hôtel qui s'appelle... On sait pas. Un hôtel. On regarde sur le site, puis il y a des. Ça s'appelle des Daily Pass, que tu peux payer pour aller à un hôtel, puis tu as accès à tout dans l'hôtel une journée, sans la chambre. Ça a coûté 20$ pour avoir accès à un locker, le spa, comme les saunas, etc., la piscine, l'espace de détente, puis on avait une serviette, un peignoir, tous les accès qu'on pouvait pas imaginer, plus le gym. Si on avait voulu s'entraîner, on n'avait pas nos souliers, on n'avait pas nos choses d'entraînement, tout était en valise. On aurait pu s'entraîner en plus. C'est vraiment une belle journée, vraiment parfaite. Là, on s'en va officiellement à Boca Raton. On s'en va rejoindre nos amis, puis c'est ça. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'était vraiment unexpected. On a décidé qu'on partait une semaine avant notre départ. On en avait parlé du style, Alexis avait des conventions aux États-Unis tout le mois de janvier et février. Et moi, je voulais pas y aller initialement. J'ai dit, je veux pas aller à Las Vegas ni en Floride pour tes conventions, tu vas travailler. Moi, je vais vouloir travailler. Finalement, avec les mesures du COVID, avec... on savait pas, ben en fait les cas ils ont vraiment drastiquement augmenté en peu de temps, donc ça a passé de comme 5000 par jour à comme 10-15000 par jour en très peu de temps, puis les hospitalisations ont augmenté, puis on savait qu'il y avait des mesures qui allaient changer, on savait pas lesquelles. Puis initialement, l'élément déclencheur qui a fait qu'on est parti, c'est qu'Alexis ne pouvait pas être en quarantaine puis repartir, revenir. Donc il aurait fallu qu'il soit ici pendant 2 mois, le temps de ses conventions, pour ne pas être obligé d'être en quarantaine, donc manquer ses conventions, si jamais le Québec ou le Canada imposait une quarantaine après le voyage. À ce moment-là, Alexis dit, moi, il va falloir que je parte pour 2 mois probablement. Et c'est là qu'on a eu l'idée de juste rester en Floride après la convention de Orlando, puis que lui va aller à ses autres conventions. Moi, je vais être à une place qu'on a louée, une maison de ville que je vais peut-être vous montrer dans un autre vlog. On était quand même chanceux parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de choses de disponibles pour qu'est-ce qu'on avait comme besoin. On avait besoin de chacun un bureau de travail, on avait besoin de chacun un bureau de travail. C'était vraiment notre condition de base. Puis je suis vraiment contente de la location qu'on a trouvée, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de vous montrer ça. Personnellement, je trouvais ça vraiment difficile avec le Québec en ce moment. Il y avait tellement de restrictions. C'est pas évident. Si j'étais restée à Montréal, probablement que j'aurais passé au travers, mais je trouve ça vraiment le fun de vivre. Ça, en ce moment, j'en profite, puis je me compte vraiment chanceuse. Je suis vraiment reconnaissante de vivre en Floride en ce moment à cause des restrictions, entre autres, mais aussi à cause de la chaleur. Vraiment incroyable. Je le vis depuis quelques jours. Je me réveille le matin, il fait chaud. C'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté, fait que je suis vraiment reconnaissante. Puis je suis contente d'être avec Alexis aussi. Ça m'aurait fait de quoi d'être 2 mois toute seule à Montréal en sachant pas exactement quand je vais voir Alexis. Je vais parler de qu'est-ce qui s'en vient au niveau de travail dans un autre vlog ou dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je vais vous donner un update sur qu'est-ce qui se passait puis comment ça allait. Voilà, j'ai eu quelques petites questions dans quel coin j'étais. Donc voici, on est à Boca.
au Carlton aujourd'hui, on s'en va à Orlando pour une semaine. Ensuite, on s'en va à Panama City, qui est comme plus au nord, plus à l'ouest. Et on va être là pour 2 mois. En fait, je vais être là pour 2 mois. Donc voilà, puis on revient autour du 5 mars. Donc, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de like, subscribe et de laisser un commentaire sur qu'est-ce que t'as aimé cette vidéo-là. Pose-moi des questions puis je vais pouvoir répondre dans la prochaine vidéo. J'ai été vraiment contente de vous donner une nouvelle. Je vais vous en donner plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis stay tuned parce qu'il y a plein de vidéos qui s'en viennent sur YouTube et il y a plein de nouveaux podcasts aussi qui s'en viennent sur le podcast. Donc assure-toi de me suivre et assure-toi de cliquer dans la description pour avoir tous les liens. Je vous revois très bientôt. Je t'envoie plein d'amour. Merci d'avoir écouté.